Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un unboxing. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que pendant 10 jours j'étais à Los Angeles. Donc je n'étais pas chez moi à Marseille. Et c'est pour ça que j'ai accumulé autant de colis. Parce que normalement je les ouvre au fur et à mesure. Mais là quand je suis rentrée, il y en avait vraiment énormément. Il y a exactement 13 colis et j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va les ouvrir tout de suite. Attendez, d'abord il faut que je vous montre tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a, oh là là. Je pense que je vais commencer par celui-là, c'est le plus gros. Et petite annonce en début de vidéo, je vais poser le couteau quand même. Tous les colis que j'ai reçus là m'ont bien évidemment été envoyés par des marques, mais je n'ai pas du tout été payée pour en faire la promotion. Et c'est juste que, ben, je sais pas, j'avais envie de les ouvrir avec vous, je trouvais ça cool. Donc voilà, c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est? Il est hyper grand comme je vous ai dit. Et moi j'aime bien ouvrir mes colis avec un couteau, je trouve ça tellement plus simple qu'avec des ciseaux. Oh, je compte pas vous. Bon, sinon il faut que je vous raconte Los Angeles. C'était le feu comme d'habitude. Elle est, j'adore, c'est trop trop bien. En fait je suis partie donc du 15 au 22. Le 15 j'étais invitée par Dior pour la sortie d'un nouveau rouge à lèvres, le Dior Lacquer Plump. D'ailleurs il est super bien, en fait c'est un gloss teinté mais qui tient quand même pas mal sur les lèvres. Par exemple quand tu mets un crayon par exemple on va dire rose, moi je mets souvent du crayon rose sur les lèvres, tu mets ça par dessus et ça fait un effet genre super joli. À chaque fois je l'avais dans mes photos, vous avez été nombreux à aimer, donc voilà, trop trop bien. Bref, la Curl Plum, génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on était trois françaises, il y avait Sana, Sandrea et moi, et les autres c'était toutes des influenceuses donc internationales. Il y avait Italie, Angleterre, enfin bref tous les pays du monde, et c'était vraiment super intéressant. On a fait des activités, enfin bref trop trop cool. Donc vraiment avec Dior c'était vraiment super sympa. Là je parle et je vous parle, ça m'énerve, ça me décontente parce que je peux pas faire les deux choses en même temps. Je vous explique deux secondes. En fait après je suis restée jusqu'au 21 parce que le 21 il y avait la soirée Boohoo, et là je voulais absolument y aller parce que j'adore Boohoo, vraiment je kiffe leurs vêtements. Les filles avec qui je suis partie étaient super sympas aussi, et la soirée était ouf, donc vraiment je voulais rester à la soirée. Et du coup je suis restée une semaine entière vraiment en vacances sans rien faire de spécial. Mais j'avais pas envie d'être toute seule, du coup j'ai acheté un billet à mon papa. Du coup mon père m'a rejoint pendant ces quelques jours et c'était vraiment super cool. On a découvert LA, on a fait de super restos, on est allé à Santa Monica, à la plage, enfin bref on est allé partout, c'est trop trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était énorme. Un lait de douche au lait à la crème. Non, c'est de la marque Biphase et donc c'est un soin du corps voilà, qui est juste énorme. Je pense que j'aurai plus jamais besoin d'acheter du gel douche de ma vie. Le truc fait 2 litres. Voilà, ça fait 2 litres. Nickel. Top, merci. Ensuite, on... Mais pourquoi c'est que des gros trucs? Trop bizarre. C'est très bien, c'est très très bien. Ça donc c'est un shampoing à la kératine. Un démaquillant micellaire, un spray séchant pour les ongles, une révolution. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Séchage express prolonge la durée du vernis, effet non gras et non collant à l'huile d'amande douce. J'adore. Le colis est vraiment énorme, je vous assure. Ensuite bref, on a un masque à la kératine, un autre truc qui pèse 2 tonnes, c'est quoi? Un gel douche Topiphase, peau à tendance atopique, peau sensible, très sèche et fragile. Ça doit faire 1 litre aussi, ouais, ouais. C'est juste énorme. Bon, bah merci beaucoup Biphase de m'avoir envoyé tout ça. C'est très cool. Ensuite, deuxième petit colis. Celui-ci est beaucoup plus léger que l'autre. J'adore! C'est mes montres Clouses! Ah, je suis trop fan! En fait, c'est les nouveaux modèles et je les attendais depuis 100 ans! Alors, attendez. Comment on ouvre ça? La boîte est trop mignonne avec Clouses marquées en doré, c'est trop joli. Oh, elle est trop belle! Ma vie! Regardez! Donc voilà, elle est carrée. Moi, je l'ai prise argentée.
J'en ai pris un autre modèle, je vais vous le montrer également. Et voilà, j'ai fini par la régler. On est bon. Regarde, trop belle. J'adore. Le deuxième modèle, donc. Je crois que j'ai pris carré aussi. Ah non, bon, j'ai pris. On va voir. Elle est trop belle. Ah j'adore. Vous voyez le bracelet est argenté et également doré en fait. Et la montre a le cadran doré et le fond blanc. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi j'aime bien les deux. C'est vraiment un style différent je trouve. Peut-être la... Moi la carrée est vraiment belle. Les nouveaux modèles sont trop trop beaux je trouve. Bref, dites-moi laquelle vous préférez. Trop cool, merci beaucoup Claude. Ensuite, nouveau colis. Je trouve ça fou de recevoir tant de cartons parce que par exemple dans un colis comme ça il peut y avoir genre juste un mini gel douche ou un mini shampoing alors que ben je sais pas ça prend de la place et ça fait du poids, ça utilise du papier donc ça c'est un peu du gaspillage, je trouve ça pas super bien mais bon comment faire sinon. Ah l'encombre trop bien aussi. J'adore ouvrir des colis, vraiment on dirait un enfant. Regardez comme c'est mignon, genre ce petit sac est trop chou. Alors nous avons le plaisir de vous faire découvrir La vie est belle, l'éclat, eau de toilette. J'adore. Il est immense. Oh, trop bien ça aussi. Vraiment, on dirait que je suis en primaire et que je découvre mes cadeaux de Noël. C'est pas grave, j'adore. On dirait des... On dirait pas des mi-cadeaux. Si, c'est des mi-cadeaux. C'est ça. Fallait le dire, Lancôme. Non, en vrai, c'est pour mettre dans le parfum, je crois. Ce parfum, je l'avais déjà senti à mon meet-up Lancôme quand j'avais fait un meet-up à Paris. J'avais adoré l'odeur. Donc, bah voilà. Merci beaucoup, Lancôme. Et comme ça, je pourrais le diffuser partout dans ma maison avec ces petits diffuseurs. C'est très cool, merci. C'est le quatrième. Violet. Mega Matte Herborion. J'adore Herborion. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte assez légère. Assez légère. Quel accent je prends là? Oh, vous avez vu? C'est ouf! Et le produit phare, c'est du coup la matte crème au Nymphéa Alba, soin matifiant du visage, effet velouté. Eh bien, merci beaucoup. Donc tous les produits que j'ai reçus là, bien évidemment, je les testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Donc apparemment, c'est un soin matifiant donc pour le visage qui affine le grain de peau, unifie le teint, floute les imperfections et prépare la peau au maquillage. Donc voilà, hâte de tester ça puisque moi j'ai la peau un petit peu grasse. En fait, ça dépend, j'ai une peau mixte, sèche à des endroits et grasse à d'autres. Donc parfait. Ensuite, on va prendre ce petit colis là. Je sais ce que c'est, regardez. Ah, je suis trop contente. C'est le masque de Nagui. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Le packaging est trop beau. Vous savez, c'est Nagui Mirza Elie, la blogueuse. En fait, elle a créé sa propre ligne de soins capillaires. Et là, elle vient de sortir son nouveau masque capillaire au miel. Et elle me l'a envoyé. Ah, je suis trop contente. J'ai tellement hâte de le tester. C'est beau. Le masque est beau. Le packaging est beau. C'est à faire après le shampoing. Il faut l'appliquer 5 à 7 minutes. Et l'utiliser une à deux fois par semaine pour avoir un joli résultat. Donc, est-ce qu'ils sont bons? Ah, il faut l'ouvrir. Ah, ils sont trop bons.
j'adore. Il m'avait également envoyé le spray fixateur pour les boucles. Celui-ci était vraiment super bien, genre après les avoir coiffées pour que les boucles soient vraiment jolies, qu'elles tiennent toute la journée. Ça je l'avais testé et il sentait vraiment super bon également. Mais celui-là, en plus mes cheveux sont KO en ce moment, donc merci Negin. Ah, il roule à l'air. Oh non, je peux pas l'enlever. Fuck. Ah, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, je vais voir par là. Découvrir en même temps que moi. Alors, j'adore. À chaque fois que je reçois un paquet Dior, je suis tellement contente. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Même le sac est de bonne qualité, genre. Et à chaque fois qu'on reçoit des colis Dior ou autres d'ailleurs, ma maman garde les rubans comme ça et elle les attache dans l'arbre. Et genre, il y a un arbre sur mon balcon, il y a plein de rubans. Ça fait genre un arbre porte-bonheur. C'est trop joli. Donc voilà, on va les garder, ceux-là aussi. Il y a plus de rubans que de feuilles dans l'arbre. Oupsie. J'adore. C'est mon parfum. C'est mon parfum. Ah, c'est la nouvelle édition de mon parfum. Donc on a le Poison Girl Unexpected Eau de toilette et la perle de parfum. Qu'est-ce que c'est que ça? Un roller pearl. Oh oui, un parfum en roll-on comme ça. Moi j'ai déjà celui-ci, donc c'est le Poison Girl. Tout simple, je le mets H24. Ils sont super bons, vraiment trop. Allez chez Sephora, sentez-le, j'adore. Donc ça, c'est celui que je mets en ce moment. Mais du coup là, ils m'ont envoyé le nouveau. Qui va peut mettre le nouveau? J'ai pas envie de l'ouvrir, c'est joli. Who cares? Déjà que ma chambre elle était pas rangée. En plus avec tous les paquets. Hop. Oh, c'est trop joli. Donc comme vous pouvez voir, il est rose comparé à l'autre qui était plutôt rouge. Pas mal. Pas mal, mais je préfère le mien. Je préfère ouais, l'ancienne version. Il est plus frais, j'ai l'impression, celui-ci. Non, ils sont bons aussi, mais je préfère l'autre. Il a plus de caractère, l'autre. Ensuite, nous avons ce paquet, assez lourd également. Ah! Ce soir, j'ai trop envie de regarder un film sur Netflix, parce que je suis arrivée de Los Angeles il y a 2 jours. Ça va, j'ai pas trop le décalage horaire, je suis pas trop fatiguée là, ça va, c'est cool. Du coup, j'ai regardé des films dans l'avion, puisque vous savez, il y a 12 heures d'avion entre Paris et Los Angeles. Donc t'as le temps d'en regarder des films. J'ai regardé Wind River ou Wind Winter, Winter Wind, un truc comme ça. Plutôt pas mal mais assez triste, un drame. J'ai également regardé un documentaire sur le danseur ukrainien Sergei Polonin. Et tellement émouvant, j'ai adoré. En fait donc le documentaire retrace toute sa vie, de sa naissance à ce qu'il est aujourd'hui. Et vraiment c'est super bien filmé. C'est touchant, on voit vraiment ce qu'il a vécu, par quoi il est passé, on comprend vraiment pourquoi il a fait ses choix dans sa vie. Et c'était trop bien, donc vraiment je vous conseille de le regarder, vraiment super cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je pense que c'est des glossy box, parce que les glossy box à chaque fois elles sont envoyées dans ce paquet-là. On va voir. Mmh. Ah, ça fait mal, à chaque fois ça fait mal. C'est impossible à faire ce truc. Yo. J'adore recevoir les glossy box parce qu'à chaque fois il y a des petits produits qu'on peut tester. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celle-ci? Oh, on a du Revital H. Oh non, j'adore, en plus j'en avais plus. Trop cool. Revital H, le produit à avoir pour avoir des cils de biche. Ensuite, Bima Valentine, qu'est-ce que c'est que
ça. On se croit les lèvres, je pense. Ah non. C'est quoi? Hydroactif, c'est des petites pilules. Comme ça. La capsule hydratante. Ok, ça doit être pour hydrater la peau. Pour avoir une plus jolie peau. Ben, on va tester. Je me renseignerai d'abord. Ensuite, on a un rouge à lèvres trop bien, Make Up Forever. Alors, voyons voir comment il est. On a une crème pour le corps et un vernis. J'adore les rouges à lèvres Make Up Forever. Oh là là, qu'il est beau. Il est magnifique. Donc, c'est la teinte rouge mat M401. Trop beau. Et celui-là, celui que j'ai actuellement, c'est un Kat Von D, un liquid lipstick. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. On est allé plutôt vite. Oh non! Vraiment une enfant. On garde les rubans pour maman. Vous remarquerez que quand même à chaque fois les marques font beaucoup d'efforts sur le packaging et je trouve ça super bien parce que ça met vraiment en valeur le produit et que c'est quand même super agréable de recevoir un joli produit comme ça. Je suis vraiment contente guys. Ah, celui-là elle va être contente, il est immense. Ah non, ça a coulé, c'est tout mouillé. Oh non. Oh non. Oh non, ça a coulé. Zut. Oh non, il est presque vide. Je suis un petit peu deg. Mais ça sent trop bon. Oh là là. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un soin intense hydratation. Alors, une formule hydratante, sorbet water, sorbet crème, sorbet sérum et sorbet eye gel. On a la crème hydratante, très très bien. On a, je pense, le soin pour les yeux, exactement, le sorbet eye gel. Et nous avons la Hydra Life, le lait micellaire du maquillant nourrissant. Parfait, parfait, sauf que c'est un petit peu mouillé. C'est pas grave, je vais rincer tout ça. On remballe et je vais m'en servir également. Je vous dirai bien évidemment ce que j'en pense. Trop bien, trop contente en tout cas. C'est plutôt. C'est bon, maintenant j'ai pris la technique pour les ouvrir. Voilà, je vais tomber. Giorgio Armani. Première fois de ma vie que je reçois un colis Giorgio Armani, j'adore. Alors qu'est-ce que ça va être? Bon, c'est du make-up, sûrement. Sûrement du make-up. Peut-être un parfum. C'est bien, je n'ai pas reçu. Et oui, c'est un parfum. Ah, il va bien avec ma robe, trop cool. D'ailleurs, cette robe vient de Réalisation Part. C'est une marque de Los Angeles. Mais je l'ai acheté sur internet. Et j'ai pas eu de prix. C'est ce parfum-là. Passione. De Giorgio Armani, l'eau de parfum. On va sentir tout ça. Et si vous vous demandez ce que je fais de tous ces colis, soit je les garde parce qu'ils me plaisent, soit je les donne à mes amis parce que je peux pas tout garder, en fait j'en ai trop, soit bah, ma mère on se les partage, soit je fais des concours. Voilà. Oh, c'est beau. Je m'attendais pas à ça. Alors, là on a déjà le Dior. Ah, le flacon est très joli, on dirait un flacon de vernis immense, mais... Ah, ça sent très bon. Ah, j'arrive pas à savoir ce que ça sent. J'adore, il sent vraiment très très bon. N'hésitez pas aussi à aller chez Sephora pour le sentir celui-ci. Ah, à chaque fois je le fais tomber. Ah mais non, il y a d'autres trucs, zut. Il y a quoi? Un rouge à lèvres tenue satinée. On parlait combien qu'il est rouge. Ah oui, il est rouge. Exact. Je suis trop...
trop contente. Vraiment, c'est Noël. J'adore. Et ça, du coup, c'est un gloss. C'est la teinte 400. Et le rouge à lèvres, c'est également une teinte 400. Très, très bien. Merci beaucoup, Giorgio Armani Beauté. Donc, on va ouvrir ça. Fragile. Ça me rappelle mon ex. On se plie pas en quatre, nous. C'est un petit peu compliqué leur histoire. Ah, c'est lourd. Oh, oh. Bon, voilà, je vous le mets comme ça, ce sera plus simple. C'est une lac. Oh, il s'est cassé. Je pensais que je peux le faire glisser. Ah mais non, je peux l'ouvrir tout là. Suis-je bête? Je suis insupportable. Il fallait me le dire avant qu'il y avait une ouverture. Oh, ma vie. Ma vie. Regardez. Je sais pas si vous pouvez voir. Zut. Fenty Beauty. Waouh. Ok. Waouh. C'est énorme. Trop beau. Ça marche? J'adore! Mademoiselle! Trop bien! Trop bien, pardon! Bon, c'est bon, stop! Merci. Du coup, on a... Bon, alors, messieurs, dames, ce que je vous propose à midi, c'est une entrée à la carte. J'ai gueule. Oups. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 teintes! All Day Color Intensity Weightless Matte Finish. Donc, on a du bordeaux, on a du rosé, rouge, orange, nude, nude plus sombre, nude très sombre, du vert, du bleu clair, du bleu foncé, du violet clair et du violet foncé. This stuff is amazing. Oh putain. Je fais trop la maline, faut que je pose ça. Il nous reste deux colis et ce sera tout pour aujourd'hui. La mer, trop cool. J'adore cette marque. Ces produits, on va pas se mentir, sont extrêmement bien. Ils marchent super bien. J'avais déjà testé des poudres matifiantes et une crème pour les yeux. Donc les résultats sont incroyables, mais le prix est incroyable aussi en fait. Et assez élevé, même très 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 élevé. Donc c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup, parce que j'en achète pas, je trouve ça vraiment trop élevé pour de la crème. Mais par contre les résultats sont ouf. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. On a un petit mot aussi. Chère Chloé, je suis ravie de t'offrir le nouveau gel rafraîchissant Génération Intense de la mer. À bientôt. Trop bien, merci beaucoup. Nous avons également le New Moisturizing Cool Gel Cream, la crème nourrissante intense pour avoir une peau radiante et glowy, et enfin la lotion hydratante avec un fini brillant qui atténue les pores. Trop cool. Voilà, ce sont juste des petits échantillons comme ça. Bien évidemment, je vous donnerai mon avis sur ces produits et je vous dirai lequel je préfère. Si vous voulez en acheter qu'un seul par exemple, je vous dirai lequel je préfère, si la crème, le gel ou la lotion, ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout ça. Mais en tout cas, merci énormément la mère
de m'envoyer tout ça, c'est trop gentil, merci. Donc voilà, c'est bon, on a déballé tous les colis. En fait, il en restait un, mais c'était pas pour moi, c'était pour ma mère. Donc je l'ai pas ouvert. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant si j'aime un produit en particulier ou même plusieurs. Et je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao. Ah, j'ai bloqué. C'était encore le couteau. Yeah.